Alors, merci beaucoup pour m'avoir convié à participer à cette journée, même si je fais partie de l'Institut Émilie du Châtelet, donc je me réjouis d'autant plus de ce lieu de dialogue entre l'ARDIS et l'IEC. Vous verrez que dans ma présentation, donc moi je suis chercheur en sciences politiques, je vais parler depuis une démarche qui est une démarche de théoricienne du politique. Et je vais reprendre, en tout cas, mes questionnements vont rebondir sur différents points qui ont été abordés. Donc mon propos, le titre de cette intervention, c'est la performance de la mixité, ruse néolibérale et égalité sous conditions. Pour le dire brièvement, mon propos, il est d'interroger les enjeux politiques et théoriques du lien qui a été abordé par différentes intervenantes et intervenants, entre les politiques dites d'égalité, et plus particulièrement les politiques dites de parité et de diversité, et leur justification publique par la performance de la mixité, qu'elle soit sexuée ou racialisée, ou intersectionnelle. Mon propos, en tant que politiste, sera quelque part de politiser le dépolitisant, c'est-à-dire de voir en quoi ce qui peut apparaître de l'ordre du pragmatisme, d'une justification soit, comme ça a été beaucoup dit, de l'ordre du stratégique, hein, une forme d'essentialisme stratégique, ou plutôt de stratégie qui ne se veut pas essentialiste, même si la frontière est assez difficile à voir quand on justifie l'inclusion de ceux qui ont été exclus pour des raisons biopolitiques, à la fois les femmes et les racialiser pour la plus-value qu'ils peuvent apporter, hein, pour la performance soit de la mixité, soit elle-même de la différence. Donc ce qui m'intéresse, c'est de dépasser, hein, cette approche qui est l'approche par le pragmatisme, par la nécessité de parler le langage des entreprises, par le fait de considérer qu'on est dans une logique conséquentialiste et que donc, dans une période de crise, d'autant plus, la fin justifie les moyens. Donc mon but, c'est de dépasser cette approche pragmatique, qui peut être qualifiée de dépolitisante à plusieurs niveaux. Elle est dépolitisante aussi parce que on se situe plutôt du côté du registre économique que du registre politique, parce qu'on évite de regarder ou de se situer sur un registre de rapport de domination et de pouvoir. Donc, je suis tout à fait d'accord avec les travaux, par exemple, de Laure Bérény, d'Alexandre Jaunet ou d'autres qui soulignent, hein, cette dimension dépolitisante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi cette dépolitisation, elle est politique. Elle est politique à plusieurs niveaux. Donc à la fois en quoi ça nous dit des choses du repérage du politique, c'est-à-dire où se situe le politique quand on prend ce genre de principe de justification dans l'articulation entre l'économique, le social, le culturel, hein. Qu'est-ce que ça nous dit de la place du politique, selon moi de sa secondarisation ou de sa mise sous condition, on le verra. Qu'est-ce que ça nous dit aussi du politique au sens de partisan, c'est-à-dire de positionnement des différents acteurs, on l'a aussi abordé, est-ce qu'on voit le clivage droite-gauche encore exister, prendre sens ou au contraire être brouillé par ces positionnements en termes de justification publique des politiques dites de parité et de diversité. Et puis politique aussi au sens de qu'est-ce que ça nous dit des principes ou du principe de justice et en particulier de la définition même de ce qui a longtemps été porté ou ce qui peut encore être porté comme notre ordre lexical premier, c'est-à-dire le principe d'égalité, hein. Qu'est-ce que ça nous dit de ce principe d'égalité ? Donc je vais aborder ces sujets et voir en quoi ça amène à questionner ou pas le dépassement de la confusion aristocratique entre l'ordre dit naturel, sexué, racialisé, et l'ordre social hiérarchisé. En quoi ça remet en cause le récit républicain d'une méritocratie sexuée et racialisée, ou au contraire, est-ce que ça la modernise, est-ce que ça la réactualise autour de cette méritocratie qu'on peut qualifier d'éminemment sexiste et raciste. Donc toutes ces questions-là, je vais les aborder non pas en analysant, pour faire du lien avec ce que nous a dit Sandrine Lévesque, les débats en amont des lois ou de la soft law pour la diversité, mais bien
Donc des lois dites sur la parité ou de la promotion de la diversité, mais bien dans la manière dont on est dans un principe de justification de la mise en œuvre de ces lois dites sur la parité ou de la promotion de la diversité. Donc pour cela, je vais partir de deux terrains que j'aurai pas le temps de présenter de manière très approfondie, mais pour vous donner moi la manière dont j'analyse, c'est à la fois un travail que j'avais fait en 2004-2005. Enfin, à partir d'une enquête sur les bricolages idéologiques autour de la parité. Donc, il y a eu la réforme constitutionnelle en 1999, puis les premières lois à partir de 2000. Comme on vous l'a expliqué, suite à des évaluations, les lois sont de plus en plus contraignantes, tout simplement parce que là où la loi n'est pas contraignante, la recomposition de l'exclusion des femmes est tout à fait explicite. Donc, ce qui m'intéressait en 2004-2005, c'était de voir comment la parité était pas seulement appliquée comme une obligation contraignante par les partis politiques dans leur pratique RH, mais en quoi elle les amenait à avoir un bricolage idéologique au sens de Lévi-Straussien, c'est-à-dire que en gardant les mêmes outils idéologiques qui étaient les leurs, comment ils arrivaient à avoir une cohérence idéologique autour de cette contrainte légale. Donc je vais me servir de ce travail qui s'appuie aussi sur l'analyse de rapports et de discours publics. Donc j'ai fait 83 entretiens de responsables UMP, PS, donc à la fois des secrétaires nationaux mais aussi des secrétaires fédéraux avec deux départements, donc Paris et les Hautes-Pyrénées. Un département très urbain et très proche du centre de décision national et un département beaucoup plus rural et excentré. Et puis une deuxième enquête qui a été à la fois une enquête de discours public, de rapport, mais aussi une enquête qualitative auprès des responsables de l'espace public sur la promotion de la diversité, sur les usages contemporains de ce terme de diversité. Donc j'ai effectué en 2008-2009 auprès des responsables politiques, membres de gouvernement, responsables de partis politiques, de Marine Le Pen à Lutte Ouvrière, responsables d'institutions à l'époque, la HALDE, le HCI, l'ACCÉ, Service droits des femmes, tous les syndicats représentatifs, le MEDEF, les associations de promotion de la parité, de la diversité, de la lutte contre les discriminations, les entreprises qui se positionnaient sur ces good practices, la RSE, et puis les représentants des religions monothéistes. Donc j'ai fait un qualitatif assez étrange de 163 entretiens donc en 2008-2009. Ce qui m'intéressait là, et c'était en lien avec ma première enquête, c'était d'essayer de comprendre comment l'inclusion de ce que je qualifie comme étant les non-frères, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie du contrat social inaugural, qui est un contrat fraternel, pas seulement au sens de sexué ou de genré, mais aussi au sens de racialisé, pour reprendre Patman, Gaspard, mais pas seulement. Donc comment est-ce qu'on on justifie l'inclusion de ces non-frères, pas seulement donc les femmes autour de la parité, mais aussi les racialisés autour de la diversité. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter très brièvement mon hypothèse d'une forme de rencontre et d'alliance entre l'héritage républicain de ce contrat fraternel et le référentiel néolibéral du tout marché, dans ce que j'appelle une tentation de l'égalité sous condition de performance de la différence pour les non-frères. Performance au sens à la fois, comme on l'a vu, de théâtralisation, de mise en scène identitaire, du fait d'être inclus en tant que, comme on l'a bien vu tout au long de cette journée, la discrimination commence au moment de l'inclusion, et comment, à travers cette justification de l'inclusion de ces non-frères par la performance de la mixité, on est dans une égalité sous condition à la fois de théâtralisation, de mise en scène des identités, qui sont toujours de l'ordre du « eux » et du « nous », mais aussi performance au sens de rentabilité. Il faut démontrer que c'est rentable pour répondre à la crise politique, à la crise économique, à la crise sociale, à la crise globale. Donc très rapidement cet élément. Et puis un deuxième point sur cette idée de la ruse, que la ruse néolibérale, pour reprendre une expression en particulier de Nancy Fraser, cette ruse néolibérale, elle permet de porter une mixité qui incarne une coexistence qui répond à la peur à la fois du désordre, du désordre politique, du désordre économique, du désordre social,
à la peur du mélange, à la peur de l'indifférenciation dont nous a parlé Florence Rochefort, sans pour autant remettre en cause une logique de complémentarité, de biopolitique, et donc comment on est dans une mixité qui est, selon moi, absolument pas synonyme d'une remise en cause d'un ordre sexué racialisé fondé sur la complémentarité de ces non-frères. Donc très brièvement pour le point sur l'égalité sous condition de performance de la différence, aussi bien mon analyse donc des usages contemporains de la parité que de la diversité montre selon moi qu'on voit des différences entre les acteurs de la droite de l'échiquier et de la gauche de l'échiquier. Pour la parité, pour faire très bref, on va avoir d'un côté le fait que les représentants de l'UMP et les représentants des assos féminines, plus que féministes de la droite, de droite, justifient a posteriori, puisque c'est 4 ans après les premières applications de la loi, le fait que ces lois sont les premiers quotas républicains à la française, hein. Ce qui est faux, on le sait, hein. Il y a les ZEP, il y a les US, il y a plein d'autres choses, mais pour eux, c'est les premiers quotas républicains à la française. Rappelez-vous, à l'époque, Nicolas Sarkozy était, l'histoire bégaye, hein. L'histoire récente était président de l'UMP quand je fais ces interviews en 2004-2005. Il y avait cette idée un peu de Sarkozy à l'américain, hein, et que la parité c'était bien parce que c'était un peu une manière de réconcilier notre héritage républicain et puis les actions positives. Et que c'était plutôt efficace. À la gauche de l'échiquier, on avait plutôt, moi c'était le PS, donc j'interviewais les associations féministes, cette idée que c'était enfin une mise en cohérence du principe égalitaire de gauche, donc qu'enfin il y avait une forme de cohérence d'être à la fois de gauche et féministe parce que de gauche et inversement. Le point commun entre, au-delà de ces différences, le point commun c'était de dire qu'il y avait une forme de d'effet collatéral ou en tout cas de dimension d'emboîtement entre le respect d'un principe d'égalité ou de lutte contre les discriminations et le fait que ça permettait de répondre à une crise de la représentation politique, à une défiance, avec l'articulation d'ailleurs entre représentation descriptive et substantive, puisqu'il y avait à la fois cette idée d'avoir une représentation un peu miroir, de renouveler la classe politique qui était non seulement plus féminine par la parité, mais on avait aussi ouvert à un renouvellement du fait de l'âge, une ouverture à la société dite civile, voire à ce qu'ils appelaient la diversité. Et c'est ça qui m'a amené à faire la recherche suivante sur la diversité. Donc cette idée que aussi bien en termes de politique de l'identité qu'en termes de politique des idées, donc il y a représentation descriptive et substantive, la parité permettait d'avoir un questionnement sur le lien entre représentants et représentés et que là, il y avait un effet tout à fait positif, au-delà d'une lecture un peu cynique de résilience électorale où, comme l'a expliqué en particulier Sandrine Lévesque, le fait de choisir des femmes plus jeunes, non encartées, représentantes de telle communauté ou tel quartier, en particulier pour les élections locales, permettait à la fois d'avoir ce que j'appelle le syndrome de la jeune minimale, donc des femmes qui n'étaient pas recrutées sur les mêmes critères que les hommes, qui eux restaient recrutées sur des critères classiques de fidélité ou d'infidélité partisane, stratégique, et aussi de résilience électorale, puisqu'il y avait cette idée que ça allait apporter des voix supplémentaires dans une logique de représentation miroir. Donc, on voit que ce que moi j'ai analysé au départ sur les lois dites sur la parité en termes d'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives, fait l'objet de littérature, GRH, management en particulier, aussi dans le monde économique, et en particulier en 2004, on a la charte de la diversité, donc suite au rapport de Ménuri, Sabeg, Les oubliés de l'égalité des chances, à l'Institut Montaigne, qui est repris ensuite par les acteurs politiques. Donc on voit bien un brouillage des frontières entre les acteurs politiques, les acteurs économiques, et puis aussi dans le clivage droite-gauche. Donc on a tout à fait recours à cette idée qu'on va être dans le win-win, hein, dans le jeu à somme positive, dans le do well, do good, c'est-à-dire qu'on va à la fois être vertueux et efficace, et que tout cela se cohabite sans avoir aucune incidence, avec une forme, et c'est là où je dis qu'il y a une alliance entre l'héritage
sexiste et raciste de notre République et le registre néolibéral et la réappropriation néolibérale. C'est-à-dire que le fait de justifier l'inclusion de ces non-frères, que sont les femmes et les non-blancs, au nom de la performance de la mixité sexuée et racialisée, alors qu'on n'a absolument pas à justifier l'inclusion des hommes blancs, ni en politique, ni dans quelques élites que ce soit, pour moi, est une manière de ne pas avoir à faire, dans mes entretiens, qui en 2008-2009, c'est après les émeutes des banlieues de 2005 en particulier, donc on a vraiment cette idée que la société française, hein, comme ça vient d'être dit, ne peut plus faire semblant de ne pas voir qu'il y a un questionnement à avoir sur à la fois la question de ce que c'est qu'être français, on est en plein dans le débat sur l'identité nationale en 2008-2009, et puis aussi sur la question des discriminations. Et comme me le dit Aziz Seni, un entrepreneur des cités, qui a écrit « L'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier », il me dit cette crise, et en particulier les émeutes, nous montrait que Marianne avait besoin d'aller chez le psy. Pour moi, la promotion de la diversité, la manière dont on justifie politiquement et publiquement par la performance de la mixité, démontre que non seulement nous ne sommes pas allés chez le psy, ni collectivement, ni politiquement, mais que nous avons pris plutôt des médicaments qui nous donnent l'impression d'avoir résolu ça de manière très, très, très rapide et sans aucun, sans un bouleversement trop grand de notre héritage républicain. Et que pour moi, c'est d'autant plus confortable que ça rentre dans cette idée de tout marché. C'est-à-dire que même les politiques d'égalité doivent faire la preuve de leur performance. Et que toute décision politique, dans une période de crise, doit passer les fourches caudines de la démonstration de ce jeu entre coûts et avantages. Et donc, dans une reformulation de l'État social, l'État-providence comme un État social actif, hein, autour de tout le registre de l'investissement social en particulier, là, on voit bien que il y a une réduction du politique à une vision comptable qui permet de réapproprier de cette manière-là cette justification de la parité de la diversité sans que ça soit un moment et une manière de questionner notre héritage en termes de discrimination structurelle et les moyens de déverrouiller hein, cet héritage-là. Donc, pour pas être trop longue, donc sur le versant de comment cette ruse néolibérale, hein, pour reprendre une expression de Nancy Fraser, qui analyse la manière dont, pour porter de l'égalité, il faut pas seulement redistribuer des places, hein, ce qu'elle appelle le versant économique. On a vu avec Sandrine Lévesque sur la parité en politique en particulier, et on le voit aussi dans l'évaluation de la loi Copé-Zimmermann, en termes de chiffres et de redistribution des places, il y a eu des progrès tout à fait importants et qui n'auraient pas eu lieu sans ces lois. Mais selon Nancy Fraser, et je la suis tout à fait là-dessus, l'égalité, c'est pas seulement la redistribution des places, c'est aussi la reconnaissance à égalité, ce qu'elle appelle le versant culturel. Et donc là, on en est loin, puisque étant donné qu'on est dans une mise en scène de l'inclusion des non-frères au nom de ce qu'ils vont apporter de plus et au nom d'une théâtralisation de leur identité, on n'est pas dans une reconnaissance comme pair, mais comme complémentaire. Et puis le dernier versant qu'elle analyse, c'est celui du versant politique, c'est-à-dire qu'elle nomme représentation, c'est-à-dire être à égalité, c'est être en capacité de modifier les règles du jeu, de modifier le cadre. Et pour reprendre Philippe Pettit, c'est être vraiment dans une liberté de non-domination, c'est-à-dire que il y a une co-originarité de l'autonomie individuelle et collective. Même Obama, ses choix politiques, ses positions sont vues au prisme de son identification ou de son assignation à l'appartenance à un groupe. Donc il n'est jamais complètement perçu comme un individu à part entière dans ses positionnements, tout comme tous ceux qui appartiennent ou tous ceux qui sont identifiés à ces groupes de non-frères. Donc cette justification par la performance de la mixité pour les non-frères est pour moi une manière de ne pas tendre vers une société qui soit une société à la fois post-raciale et post-genrée ou dégenrée ou désexualisée, voilà, puisqu'on est toujours dans on les inclut pour les mêmes raisons qu'on les a exclus. On les a exclus pour des raisons biopolitiques au nom de leurs différences, incompatibles avec la citoyenneté active. On les inclut
toujours au nom de cette différence et non pas parce qu'ils sont reconnus ou imaginés comme des semblables, pour reprendre Hannah Arendt. Donc on ne fait pas exploser le logiciel de la complémentarité, mais on le rend incluant au lieu de le percevoir ou de l'utiliser comme étant excluant. Donc très brièvement, je pense qu'il est intéressant par rapport à toute la littérature, et j'aurai pas le temps de l'aborder, mais qui est une littérature qui est aujourd'hui et nous envahit de manière très très claire sur cette idée de performance de la mixité, c'est de voir que elle est à la fois scientifiquement discutée et discutable. Je reprendrai en particulier les travaux de Julie Nelson, publiés en 2015 dans Feminist Economics, qui remet en cause en particulier les travaux de Coates et Herbert, qui font le lien entre les pics de testostérone et la prise de décision des traders à la City de Londres, dont on en a beaucoup parlé, parce que c'était l'idée, si Lehman Brothers avait été Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu la crise, parce que les femmes sont plus risque adverse que les hommes. Donc là, on voit bien que la dimension du lien entre culturalisme et essentialisme, c'est quand même très, 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 très clair. Sur la performance des entreprises du CAC 40 en lien avec la présence des femmes dans les CA, qui est plus justifiée ou non, là, de socialisation différente ou de représentation différente. Là aussi, c'est discuté. Hein, si vous prenez, bien sûr, Ferrari, c'est peut-être les travaux les plus connus. Mais Mohan et Chen, en 2004, montrent au contraire qu'il n'y a pas d'effet. Voilà, donc c'est discuté et discutable. En termes de ce que ça porte en termes d'idéologie, donc scientifiquement discuté, discutable, idéologiquement signifiant et pragmatiquement déterminant. Idéologiquement signifiant, là je reprendrai les travaux d'Alain Amantas et Annie Junter, mais aussi d'Irene Jonas et de Jouida Seili, hein, très, très, très brièvement, on voit bien comment il y a un lien entre essentialisme et à la fois les discours psy, les discours médiatiques, les discours des consultants, les discours qui sont ceux à la fois en termes de microéconomie, mais aussi d'effets macro. On peut citer les travaux de l'OCDE sur le fait que si les taux d'activité des femmes étaient plus élevés, le PIB augmenterait, les travaux de McKinsey, l'IMF, enfin, il y a énormément de choses. Il y a eu en octobre, il y a un mois, la fondation Dauphine qui a fait un symposium management, diversité, égalité des chances et cohésion sociale, comparaison internationale. On a des travaux du CESE autour de ces éléments. Aussi bien en 2004 sur l'apport économique des politiques de la diversité à la performance de l'entreprise, le cas des jeunes diplômés de l'entreprise, mais aussi en 2015 sur les forces vives au féminin. Et on voit ce glissement du capital humain, où là, l'idée que se priver de la compétence de certains individus du fait de leur assignation à des groupes discriminés est une perte pour la société, c'est une chose, mais le fait de le décliner toujours dans les assignations à des groupes, quand on parle de capital au féminin, est vraiment dans le glissement là du pragmatisme à l'idéologique. Et pour finir sur cette idée que c'est pratiquement déterminant, c'est le fait que justifier l'inclusion de ces non-frères, qu'ils soient sexués ou racialisés, ou les deux, dans une dimension intersectionnelle, ce qui est souvent le cas, en particulier dans le monde politique, c'est justifier au mieux d'être un bon ou une bonne complémentaire. C'est-à-dire qu'on est dans la mise en scène du second sexe, et de la seconde couleur, ou de la seconde racialisation, ou de la seconde race, c'est-à-dire que on voit bien en quoi ça permet de comprendre pourquoi on reste toujours dans cette logique, soit de plafond de verre, soit du fait que les femmes ne sont pas en France des numéro un, ou de manière très exceptionnelle, exception qui confirme la règle, aucune femme présidente d'une entreprise de CAC 40, on n'a jamais eu de chef d'État, on n'a jamais eu de présidente de Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, parce que ce registre de la complémentarité qui les a exclus, qui continue à avoir une intersectionnalité positive ambivalente et à les inclure de manière conditionnée, fait qu'elles ne sont au mieux que des bonnes secondes. Et c'est à la fois ce qui conditionne leur entrée, mais ce qui fait aussi que quand, même lorsqu'elles sont rentrées ou lorsqu'ils sont rentrés, ils ne sont en réalité, ils demeurent des non-frères et des seconds.